accueille ici au nom de l'IEC qui organise ces assises. Je rappellerai que l'IEC est une fédération de recherche, c'est-à-dire un groupement de, pour l'instant, 10 grands établissements, soit parisiens, soit nationaux. Vous trouverez la liste de ces établissements dans les petites plaquettes qui vous ont été distribuées. Et l'IEC s'est créé, fondé solennellement en 2006. Ce regroupement donc est né à l'initiative et avec l'aide de la région Île-de-France et dans le cadre d'une politique particulière du conseil régional précédent qui a mis en place une politique de soutien à la recherche très ambitieuse, et notamment en soutenant certaines thématiques généralement soit qui avaient vraiment besoin de l'être, besoin d'émerger, ou bien besoin d'être encore soutenu. Et la thématique du genre, les problématiques du genre sont une de ces thématiques que la région a voulu soutenir. Et il faut vraiment remarquer cet effort, parce que vous savez très certainement que la France est dans un état de retard gravissime sur la question du soutien institutionnel à ses recherches. Même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis les années 70 sur les recherches sur les femmes, le sexe, le genre, le féminisme, etc. En fait, on a un déficit énorme de soutien institutionnel. Or, on a besoin de soutien institutionnel, on a besoin d'argent et on a besoin de légitimité, parce que sinon on est toujours clandestin, clandestine. Donc l'IEC s'est créé c'est un institut lié à la recherche, c'est une évidence, mais il avait d'autres objectifs que de soutenir le développement de la recherche. Bien entendu, son premier objectif est de soutenir le développement à la recherche, et la plus grosse partie de ses finances est destinée à des allocations de recherche, des allocations doctorales et des allocations postdoctorales qui nous permettent chaque année, depuis 4 ans maintenant, avant ce n'était pas l'Institut, mais c'était déjà des gens de l'Institut avec le soutien de la région dès qu'ils ont été élus, qui nous permet de distribuer à peu près une dizaine d'allocations. Ça change un petit peu chaque année, mais globalement 10, grosso modo à peu près 5 allocations doctorales et 5 allocations postdoctorales, donc qui permettent à des étudiants de faire des thèses véritablement dans des disciplines extrêmement variées. Nous tenons absolument à ce qu'il n'y ait pas que les quelques disciplines déjà bien reconnues qui soient soutenues, mais au contraire que certaines disciplines, la musique, la philosophie, enfin des disciplines qui sont, et la biologie par exemple, qui sont très peu généralement développées, soient soutenues par ces allocations. De la même façon, nous distribuons, pas grand-chose, mais nous distribuons quand même un peu d'argent pour des gens, des groupes, des centres de recherche qui veulent organiser des manifestations scientifiques. Donc c'est une aide de la région sur le genre qui passe par l'expertise de nos groupes d'experts et qui peut effectivement aider aussi au développement de la recherche. Et dans le même cadre, toujours cette idée de permettre que la recherche se développe, nous en organisons nous-mêmes. Nous avons un séminaire qui se tient tous les mois, un séminaire de recherche qui, dans le cadre de l'interdisciplinarité propre à l'Institut, fait se rencontrer des gens des sciences de la vie, des humanités, des sciences sociales, etc. Et nous organisons aussi parfois des colloques. On en a eu un l'année dernière et on en aura un cette année, justement sur le sexe biologique. Deuxième grand volet du travail de l'IEC, au-delà de donc essayer de faire que les recherches se développent, les légitimer, faire savoir ce qui a été fait, faire connaître ce qui a été fait, donner de la visibilité, de la légitimité à ces recherches.
Et pour ça, nous avons surtout deux grandes activités. Nous organisons des conférences mensuelles qui s'appellent 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, où nous faisons intervenir eh bien, des chercheurs, des chercheuses, généralement français, mais parfois aussi étrangers, qui travaillent dans ces domaines et qui expliquent quel a été leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, voilà. Et également, vous allez voir arriver quelque chose sur lequel nous un chantier sur lequel nous travaillons depuis des années, mais qui commence juste à donner ses fruits, qui est un programme de grande traduction, c'est-à-dire de traduction. Vous savez, c'est très difficile de trouver de l'argent pour traduire des textes. Un programme de traduction, un par an, un ouvrage par an, d'ouvrages qui sont généralement parus depuis déjà pas mal d'années, dans une langue étrangère et dont le public français ne bénéficie toujours pas. Alors nous avons un partenariat avec les éditions de La Découverte qu'on a mis en place et qui va donner ses premiers fruits puisque le premier livre est sous presse. C'est le livre de Carole Batman, Le contrat sexuel, je crois que c'est traduit directement comme ça. Et puis il y en a d'autres qui vont, Anne Vosso-Sterling, enfin il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux, on va dire, et qui devraient paraître chaque année à l'automne. Troisième grand volet des activités de l'IEC, c'est ce qui motive notre présence ici aujourd'hui, c'est la construction d'une synergie que nous souhaitons pérenne entre le monde de la recherche et le monde du terrain, ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans des associations, dans des groupes, dans des syndicats, qui sont élus, etc., et qui travaillent pour l'égalité des sexes. Alors, bien entendu, ces rencontres entre chercheurs et gens de terrain se font régulièrement. Nous sommes sur un domaine, le féminisme, où nous nous rencontrons, mais nous essayons de faire comme dans ces assises, qui sont le point fort de cet axe de travail. Nous essayons de faire qu'il y ait vraiment des moments de travail, des moments de rencontre, des moments d'échange importants entre les gens qui militent et les gens qui essayent de théoriser, d'analyser, etc. Nous avons d'autres projets dans ce sens, notamment le projet d'un café féministe qui devrait aussi commencer très rapidement, qui devrait croiser également des gens qui travaillent, des chercheurs, des chercheuses et des militants sur des grandes questions qui peuvent se poser dans l'actualité. Nous avons un programme aussi de diffusion de la connaissance, je dirais, de ce qui se passe dans la région parisienne. C'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces domaines, beaucoup d'associations, mais peu de lieux de synthétisation, de synthèse, on va dire. Et donc, nous essayons de travailler à cet état des lieux que la région nous avait demandé de faire. C'est difficile à faire, mais nous essayons d'y travailler. Et la dernière chose, c'est un volet que nous n'avons pas eu encore le temps de développer, mais qui devrait se développer à partir de maintenant, c'est le volet formation, formation à l'égalité. Ça faisait partie ça faisait partie des axes dans lesquels nous avions envie de travailler lorsque nous sommes créés. Mais tout ça est très difficile et très lourd à mettre en place. Et avec le deuxième volet de l'existence légale de l'IEC, puisque nous avons eu un premier, nous avons un calendrier sur 4 ans. Donc ça fait 4 ans que nous existons. Nous allons renouveler notre calendrier. Notre programme pour 4 ans. Nous avons renouvelé notre fédération. De nouveaux membres vont rentrer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une dizaine de membres fondateurs. De nouveaux membres vont rentrer, ont déjà commencé à rentrer. Et dans ce cadre, le volet formation devrait se développer. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et je vais repasser la parole à Nicole Savet, qui m'a présenté, mais qui ne s'est pas présentée. Donc c'est moi qui vais le faire. Nicole Savet donc, est une des grandes ordonnatrices de ces assises parce qu'elle fait partie d'une des instances de gouvernance, comme on dit aujourd'hui, de l'IEC, son conseil d'orientation qui justement est l'instance qui s'occupe justement des relations avec le monde
militant, le monde politique, le monde syndical. Donc elle est membre de ce conseil d'orientation. Elle est professeure d'histoire. Elle aussi est une militante féministe de longtemps. Et elle est aujourd'hui, notamment après s'être impliquée dans beaucoup d'associations et beaucoup de domaines d'action, elle est aujourd'hui très impliquée dans la Maison des femmes de Montreuil. Alors, je vais juste ajouter, quelques mots à ce qu'Eliane a déjà présenté concernant les assises. Elle vous a déjà défini cette volonté de construire une synergie pérenne entre recherche et terrain. Je pense que c'est vraiment une spécificité de l'IEC. Et donc, ces assises qui ont lieu chaque année et qui sont largement soutenues, comme Eliane nous l'a dit, bien sûr, par le Conseil régional, ont pour but essentiel... vous m'entendez là, ont pour but essentiel de... de présenter sur un sujet donné des échanges entre chercheuses, chercheurs et actrices, acteurs de terrain pour essayer par rapport à ce sujet de voir quels sont les problèmes, mais aussi les avancées, mais aussi les besoins, les questionnements et aussi le partenariat possible entre les chercheurs, chercheuses et les acteurs, actrices de terrain. Et pour voir si ce partenariat est possible et fructueux. Voilà. Elles veulent aussi, et nous l'espérons aujourd'hui, être un temps d'échange avec le public, d'échanges croisés, pour que il en résulte, en tout cas nous l'espérons, des propositions, des pistes de réflexion et des propositions d'action. Alors, ce sont les troisièmes assises, puisque les premières assises ont été organisées en 2008 et elles s'intitulaient « Égalité entre les hommes, entre les femmes et les hommes. Égalité et résistance entre les femmes et les hommes. Allégorie. Excusez-moi. Je pense que c'est des lapsus révélateurs. Bon. Et puis, ensuite, en 2009, c'était, je prends mon papier pour ne pas me tromper, égalité des sexes et sexualité au pluriel. Et donc, cette année, vous avez dit féministe avec un point d'interrogation. Il faut rappeler que le premier titre que nous avions envisagé, c'était « Je ne suis pas féministe, mais ». Bon. Or, ce choix du thème montre à la fois que nous voulions inscrire les travaux de l'IEC dans les 40 ans des mouvements de libération des femmes, mais aussi voir, après tout ce que le féminisme a pu apporter de changement dans la société, ce qu'il restait encore de questions, quels étaient les domaines aussi où l'intervention féministe était requise, parce qu'il nous semble qu'elle est toujours d'actualité en 2010. Alors, il nous a paru nécessaire de voir quels étaient les acquis du féminisme, de partir bien sûr de l'impact de ce féminisme des années 70, pour voir aujourd'hui quels étaient justement les problèmes, voire les régressions, mais aussi quels étaient les aspects de pérennité de ce féminisme. Il nous a paru aussi extrêmement important de considérer quels étaient
disons, les nouvelles formes que pouvait prendre le féminisme, quels étaient les domaines où vraiment l'intervention était encore requise parce que les résistances, justement, et les difficultés étaient encore très prégnantes. Donc, c'est cette espèce de bilan, 40 ans après, mais aussi dans l'état des recherches, que nous avons souhaité faire. Et pour traiter de ce sujet, il nous a semblé que les domaines, les champs d'expérience et les champs de recherche qu'il fallait absolument considérer, qui étaient incontournables, c'était le travail, la vie privée, le rapport aux institutions et la culture. Alors, les journées précédentes des assises, puisque nous sommes à la quatrième et dernière journée, ont donc traité, pour la première, c'était le 4 octobre, du travail. Et je vais résumer en quelques lignes, c'est un peu difficile et je m'en excuse auprès des personnes qui ont organisé les autres journées. Peut-être j'en ai tiré que quelques lignes pour indiquer aux personnes qui n'étaient pas présentes, l'essentiel. Donc, pour ce qui est du travail, il est apparu que du plafond de verre à la précarité, les femmes restaient encore très discriminées dans ce domaine. Et que parfois les discriminations qu'elles subissaient étaient plus fondamentales que celles même que l'on peut subir dans le cadre du racisme. En tout cas, elles étaient peut-être plus indirectes, mais toujours extrêmement prégnantes. Et que dans un monde du travail mondialisé en crise, où le travail est très éclaté, est-ce que les solidarités étaient véritablement un espoir ou une réalité? Le deuxième lundi, le 11 octobre, il s'est agi de la vie privée, révolution et résistance, mais là aussi, il a été évoqué des thèmes où le féminisme avait beaucoup bouleversé la société, en particulier la parentalité et les modèles sexistes ou les modèles antisexistes. Et là aussi, je fais un résumé rapide, que si la parentalité a été extrêmement remise en question, des familles recomposées, aux couples gays, lesbiens, est-ce que l'égalité dans le couple a véritablement progressé? D'autre part, est-ce qu'il existe véritablement la possibilité d'avoir des contre-modèles aux modèles sexistes? Est-ce que dans ce sens, l'éducation, les médias proposent-ils véritablement des figures auxquelles on peut s'identifier pour faire avancer cette égalité entre les femmes et les hommes? Je résume très rapidement, je m'en excuse auprès des organisatrices que je vois en face de moi d'ailleurs. La journée précédente, le 18 octobre, donc, qui s'intitulait « Le féminisme est-il soluble dans l'institution ?», a montré combien, dans les années 80 en particulier, le féminisme s'était professionnalisé, institutionnalisé, mais y aurait-il perdu son âme? C'était la question. Les politiques publiques se sont emparées aussi du féminisme, mais sans réelle volonté politique, est-ce que cela fait avancer l'égalité entre les femmes et les hommes? Et est-ce que les recherches, parce que là, c'est vraiment le domaine de l'IEC, sur les femmes, le sexe et le genre, ont fait
qu'ont-elles apporté avec cette institutionnalisation pour la production des savoirs en particulier par rapport justement au genre et aux femmes. Voilà. Alors, pour résumer extrêmement rapidement, je le dis bien, et aujourd'hui, ce lundi, nous allons traiter, dans cette dernière journée des assises, de féminisme au pluriel, culture, contre-culture. Je vais donc donner la parole à Joël Viels, qui va vous présenter cette journée, alors là, plus longuement. Joël Viels est biologiste cellulaire. Elle est directrice d'un laboratoire à l'Institut Gustave Roussy. Elle est membre du comité de direction de l'Institut Émilie du Châtelet et elle est, comme Eliane et moi, une féministe de longue date.